Dieu de l'espérance, vous donne la paix en plénitude, la paix dans la foi, et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vos esprits. Si on l'a réuni, c'est pour montrer nos affections, entourer de notre amitié, de notre sympathie, la famille qui est dans la peine. Voilà aussi pour montrer que tout ça, pas de lien qui nous disait pour faire tout au long ça la vie, pas pour gagner avec la mort. Vous êtes bien d'amitié, d'affection. Continue au-delà de la mort. Si nous sommes là, c'est pour nous recueillir, pour prier, pour écouter aussi la parole de Dieu. C'est pour nous rappeler que Dieu se souvient de tout ce qu'il y a eu de vrai, de beau et de grand dans la vie de Jean-Claude Labrosse et demander à Dieu de l'accueillir chez lui dans sa maison. Cette flamme près de Jean-Claude Labrosse, notre frère. Cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière de notre obscurité, qu'elle éclaire ce pas que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance. Ma lumière est mon salut, c'est le Seigneur. Cette croix que nous avons apportée, nous la déposons maintenant. Seigneur Jésus, rappelle-toi, tu nous as aimés jusqu'à mourir pour nous. Que cette croix soit donc à nos yeux le signe de ton amour pour Jean-Claude et pour chacun de nous. Et par toute la terre, il effacera
l'humiliation de son peuple. C'est lui qui l'a promis. En ce jour-là, on dira, voici notre Dieu, en lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur. En lui nous espérions, exultons, réjouissons, nous, il nous a sauvés. Parole du Seigneur. Quando sentir a vida.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 10, versets 11 à 16. Moi-même, bon berger, il donne son la vie ou son bon bouton. Un homme qui a un employé, qui pas ni berger, ni propriétaire, pas le temps, quand il voit le loup vini, il taille, il quitte pas le temps, il sauve. Alors le loup, il décide les autres et disperse les autres. Il sauvait à cause d'un timoun qui travaille pour son argent et il n'a pas aucun intérêt au bas de l'argent. Moi-même, bon berger, mon compte, mon bon mouton et mon bon mouton, je compte moi. Pareil, mon papa, il compte moi et moi aussi, mon compte, mon papa, il me donne moi la vie pour mon bon mouton. Mon encore mouton qui va dans sa bécaille. Mon besoin amène les autres aussi. Les autres écoutent-moi la voix. Alors il y aura maintenant un seul troupeau et un seul berger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Thank you.
Quand Dieu
Il crée tout ça qui existait. Ça souffle, il permet le monde pour respirer. Il souffre en Dieu. Il souffre Seigneur, pas pour nous. L'air nous dormit. Lui-même Seigneur qui permet pour nous, pour garder le sommeil, pour dormir. Tout ça qui peut passer pendant tout le sommeil, pendant la nuit, nous va connaître. Le Seigneur est là pour protéger nous. Bon matin, quand Dieu nous donne nous la force pour lever, qui manière nous sommes capables de dire qu'il ne veut pas croire dans mon Dieu. Qui manière nous sommes capables pour le Seigneur, pour ne pas se faiblir. Qui manière nous sommes capables de vivre et marcher sans baser le bon Dieu et dire lui merci tout le temps. Même si parfois nous sommes libres, mais nous la vie est dans la main du Seigneur. Nous nés, nous faisons mort un jour. Mais comme nous pouvons aller après nous la mort, si nous refusons de suivre Jésus-Christ, ton Dieu compte en nous. Ton Dieu compte en nous la vie. Même si nous pécèrent, on dit quand on nous, il voulait qu'il nous sublime, il nous a sauvés. Quand Dieu était nous, quand on nous, il malgré nous les vertus qui nous pécèrent, il pas voulu qu'il nous a perdu. Saint Jean dans l'évangile, il dit dans 3:16, quand Dieu était tellement content et bon, il donne son seul garçon pour qu'il n'importe qui, il croit dans lui, pas pour mort, mais il gagne la vie éternelle. Jésus, malgré les sens du monde dans la terre, il a accepté et donne son vie, nous la croix au sauve de nous. Aujourd'hui, nous pouvons prier pour nos papas, nous pouvons prier pour nos frères, Jean-Claude Labrosse, je peux prier pour qu'il compte accepter dans son gloire. Jésus lui-même peut assez vous, ni bon verser, comme son bouton. Et nous croyons que Jésus, pour accepter nos frères et papa dans son royaume. Alors nous prions donc, Seigneur, par nos péchés, parce que nous tous nous péchons. Alors priez, vous dites Seigneur, donne-nous aussi la force pour continuer sur le Seigneur. Et dans l'espérance, nous pourrons tous nos papas, Jean-Claude, dans notre royaume portier, pour pouvoir y encore dans l'éternité. Que Seigneur donne-nous la grâce pour continuer à vivre en famille, content, camarade, rester solidaire. Sa consolation que le papa donne avec nos papas, nos frères et nos sœurs, c'est sa solidarité, sa dignité. Vivre comment faire excès dans nos familles. Jésus, qui sont versés, Jésus, qui sont sauvés. Qui Seigneur, conduis-nous dans le royaume, la soif pour l'éternité de l'Église. Et qui vont dire en son sort. Conduis-moi,
présent au déroule, allons prier ensemble. Da fadiga.
Nous te rendons grâce, Père très saint, pour ceux qui sont ici, pour ceux qui sont partis, car tu as permis que celui-là même qui nous avait quittés soit aujourd'hui pour nous celui qui nous rassemble. Nous étions dispersés par notre travail, accaparés par nos préoccupations journalières. Voici que nous avons tout laissé pour nous ouvrir en toi à la peine des autres. Nous nous rappelons que ton Fils Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, a rassemblé toutes les solitudes. Et par sa vie plus forte que la mort, il nous a su que nous vivons. C'est pourquoi, avec tous ceux qui nous ont précédés et qui vivent en toi, ceux dont nous avons connu le visage, ceux qui ont reconnu ton visage, avec l'immense protège de tous les saints, ton frère, notre prions, notre Père. Oh,
Père, sois bon, je confie maintenant celui qui parvient au sein de ta maison. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Quand la nuit de la mort nous retire à nos yeux, tu se lèves pour lui dans le soleil et sans déclin. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Il n'est plus parmi nous, qu'il soit auprès de toi. Nous savons ta tendresse, tu t'accueilles et tu pardonnes. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. N'est-il pas ton enfant que depuis ce premier jour où les eaux du baptême lui ont donné ta vie? Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Par l'amour de ton Fils, il t'appartient déjà. Qu'il vive en ta présence et partage ta gloire. Prends avec toi, Seigneur. Jean-Claude, votre frère, nous te disons adieu jusqu'au jour bienheureux où nous te reverrons. Tu nous guideras au sentier de la vie. Tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. En signe de respect pour vous, Jean-Claude, voici cet ensemble qui monte devant Dieu avec notre prière. Donne-lui de vivre dans la lumière le bonheur.
siècle des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre. Et depuis ces jours-là, la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance pour la résurrection. Au moment où nous allons nous réunir comme nos frères, toi qui es la résurrection et la vie, donne à Jean-Claude de reposer la paix dans ce tombeau préparé pour lui jusqu'au jour où tu le réveilleras pour qu'il voie dans ses yeux de la grâce de ta face la lumière sans éteint pour les siècles des siècles. Que toute ma perfection, toute cette amitié pour demeurer soit au fossile de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée. Et que Dieu le Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Une fois de plus, mon audience, c'est parti pour la famille. When Jesus went down.
caminho do bem.